Eh bien, salut à tous et à toutes. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16. Ok, bon, ça commence bien. Les serveurs EA, momentanément impossible. Vérifiez votre connexion. Je suis connecté, bouffon. Bon, sinon je pourrais pas jouer. Bon, allons-y, c'est parti. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un FIFA, un match France-Algérie. Donc en amical, hein, parce que je vais les massacrer. Donc avec mes talents de jeu professionnel. Donc ben voilà. Alors bon, ça a rien de regarder comme ça, Charlotte. Hein. J'ai une. C'est pas de ma faute. Hein. Je suis fort. Hein. Afrique du Sud. Angleterre. Argentine. Australie. Autriche. Mais il n'y a pas l'Algérie. Bolivie. Non. Oh, mais non. Bon, bah, désolé, hein. Nous prendrons alors ou Arabie Saoudite. Ah non, il n'y a pas. République tchèque, Roumanie. Non. Non, non, non. Il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, il n'y a même pas les pays arabes, il n'y a pas. Ok, bon. Normal, c'est la guerre chez eux, donc ils savent, ils ont plus de joueurs, ils ont tous été tués par les Américains et les Français. C'est normal. Hein. Bon. Nous allons jouer en bleu et eux vont jouer en jaune. Nous jouons contre la Roumanie. Donc, on va leur dire aux migrants quand ils peuvent retourner dans leur pays avec ce match. Et ouais, je suis un peu comme ça, hein. Parce qu'en fait, ça m'énerve un peu. Je vais pas parler politique, sinon ça va gâcher un peu la vidéo. Donc, allons-y. France-Roumanie. Tout de suite. Avec Valbuena qui fait des dribbles entre les poteaux. Voilà. Voilà, tac. Tac. Hop. Hop. Par contre, je sais pas quoi. Ah, ok. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Hervé Matou avec vous. Pour Franck Sillon de retrouver la l'équipe pour France. suivre ce match international. La France et la Roumanie. Installez-vous confortablement. Prenez votre paquet de chips et regardez ce magnifique match de bleu. Oh. Oh, et nous allons écouter l'hymne de la Roumanie, suivi de l'hymne de la France. Ok, c'est le contraire, c'est pas grave. Alors nous jouons en 4-2-3-1. Putain mais... J'ai dit que de la merde. Attendez, je vais réessayer.
Ils vont jouer en 4-5-1. Eh, trop fort. Non mais c'est la même composition que l'équipe de France. Bon. Allez les bleus. Allez les bleus. Ah, il y avait Maxime en mode roumain. Allez, c'est parti. On sait qui c'est qui va gagner, c'est la France. Allons-y, allez. Oh là 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 là. Ok. Excusez-moi si en début de vidéo je suis un peu parti en live. Hein. Je suis parti un peu en cacahuète en début de vidéo en parlant de l'Arabie Saoudite et de la Roumanie. Je sais que c'est pas des. Faut pas rigoler avec ça. Hein, ils sont pas tous à même, dans le même sac. Bon, certes, il y en a, ils sont. C'est des méchants, enfin, ils méritent de mourir, mais. Les femmes et les enfants là-bas, ils. Ils en souffrent de la guerre, donc ils ont mon soutien moral. En vrai, je ne dis pas que je suis d'accord avec avec le gouvernement français pour accueillir les migrants ici dans notre pays, hein. Mais faut savoir que. Dans leur pays n'ont pas de beaucoup de chance non plus. Hein. Ici, ben en France, à côté d'eux, on n'a pas à se plaindre, même si la vie est de plus en plus chère. Et bon, voilà. Allez, de retour sur le match. On s'approche du but. Ah putain. Ah ça aurait été beau, elle aurait été belle. Ah oui elle aurait été belle. Ah oui ma pipi. Je parlais à mon chien. Ah ma pipi. Je sais, je t'engueule, mais tard, tu m'as énervé. T'as aboyé pendant ma vidéo sur GTA 5 Online. Aïe aïe aïe. Eh la Roumanie, franchement, bien. Ils jouent bien en fait. Ouais, oh, non, c'est moi qui ai lu là. Ils sont à la lutte. Attention. Ouais. Il vient buter sur la défense. Buter, pardon, buter. Wow! Ah, ça fait du bien, ça défonce. Le problème, c'est avant tout un problème offensif hein, pour les Roumains. Ils sont à la récupération. Bien.
Là, si je perds contre la Roumanie, la honte, hein. Quand même. Entrée dans la cible. Quand même, là. Pardon. Un jour je ferai une vidéo comme ça de mes plus beaux. Mes plus beaux renvois que j'ai fait. Benzema! Voilà, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Ah non, Balbuena. Il a un tatouage hein, sur ce bras, normalement. Mais ils l'ont pas mis. Et à mon avis, il a dû rester dans le... Dans l'ordinateur, quand ils ont créé le joueur. Tiens, la Lacazette a rejoint l'équipe de France. Hein, ça, c'est... Je ne sais pas ça. Oh putain! Oh non, 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 mais là, ça va pas, là, non! La Roumanie 1-0 contre moi, mais qu'est-ce que j'ai en ce moment? Je perds tous mes matchs de foot, que ce soit sur PES ou FIFA. Je pense qu'il y a un petit peu de... Laissez tomber. Hein. Bon, c'est pas très grave. Juste avant la mi-temps, il est même d'une importance capitale. Psychologiquement, c'est dur à encaisser. Et surtout, ça change complètement la donne pour la seconde période. Et il a d'abord su prendre la bonne position, Hervé, pour frapper ce ballon de la tête. Franchement, bravo. Bravo à vous, les gars. Oui, bon, allez, alors, tu vas pas trop en faire non plus, hein. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Et c'est la deuxième période. Nous allons en profiter pour faire un petit changement. Reste serré. Tout est encore possible. Un bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon. Eh bien, il a eu mérite de donner l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça change toute la physionomie de la seconde période. On n'est pas au bout de nos surprises. Benzema, on va l'enlever. On va mettre la casette à place. Valbuena. On va l'enlever, on va mettre Giroud. Comme ça, 4 buteurs à l'avant. Dites-moi pas que je vais pas y arriver. Si j'y arrive pas, franchement, c'est que. Voilà, c'est bon. Allons-y, c'est parti. Et on va renforcer l'attaque avec ce changement. Ouais, ça risque de dynamiser la course. 4, 4 attaquants. À mon avis, bon. Si j'arrive pas là, c'est que, hein? Bon. C'est parti. Les bleus. Ouais, les bleus. Mais non, mais merde, c'était pas là que je voulais. Qui ne donnera rien.
il vient lui prendre ce ballon. Ah, tu concentres un petit peu là. Putain, ils sont en train de me dominer là. C'est pas vrai, mais putain, mais. Il va centrer. Non, oh putain, j'ai peur. Il était hors jeu. Ah non, même pas. Ben voilà, je savais qu'il fallait mettre du 109. But de Olivier Giroud. Tout est à refaire maintenant avec cette égalisation. Ah franchement bien. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Franchement, je suis fier de moi. Ah ouais. Bon allez, toi aussi tu vas pas trop en faire. Hein. Allez. Tout est à refaire, un but partout. Allez, à deux là. Non, 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 il n'y a pas de soutien du tout. Et là, mais bon, ah, c'est lui qui, ouais, il a poussé, il a voulu pousser. Mais en fait, il a poussé dans son but. Bon, bah, en tout cas, bah, merci, hein. C'est sympa, hein. Et 2 buts à 1, donc maintenant. 3 buts à 1 bientôt. En corner. Corner à suivre. Oh, le réalisateur qui nous montre à nouveau ses buts, qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe. Désolé. Antoine Griezmann. Ah, 3, c'est bon, je suis à l'écart. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Qui ne saute pas n'est pas français. Score, vous le voyez, ça fait 3 buts à 1. Et quand personne ne saute. Oh, c'était magnifique ce que j'ai fait. Magnifique, non, oui, non. On devrait voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Et l'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. Le ballon qui est sorti. Sortie 2, un but que le réalisateur nous permet de revoir une nouvelle fois.
prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Ils reprennent possession du ballon. Ah putain. Attention à cette perte de balle au milieu. Merde, merde, merde. Et ouais. Et là, tu vas faire entrer ces deux joueurs pour même pas 30 secondes. Bon arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Et le gardien qui se décide à prendre le ballon finalement. Ben voilà, j'avais dit, là tu les rentrais pour 30 secondes. Tu peux être satisfait de cette victoire. Oui, même si c'est sûr que rien ne remplace les matchs avec un véritable enjeu hein, pour tirer des... Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah, comme d'habitude, hein, laissez un like ou un com. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance.